Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission inédite « Le secret du bien-être ». Cellulite, circulation sanguine au ralenti, sensation de lourdeur dans les jambes et les chevilles, stress, le drainage lymphatique esthétique est peut-être votre solution miracle. Nathalie, esthéticienne, a bien voulu nous en dire plus. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici pour parler du drainage lymphatique esthétique. Pouvez-vous nous donner la définition, Nathalie ? Alors, le drainage lymphatique esthétique est un soin qui se pratique en cabine en institut et qui permet de relancer la circulation lymphatique. Quelle est la technique de ce soin ? Alors, ce soin se pratique par des manœuvres douces, lentes et régulières et avec des manœuvres de pompage sur les ciblés sur des chaînes ganglionnaires du corps. Très bien. Et à qui s'adresse ce soin exactement ? Alors, ce soin s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais quels sont les effets de ce soin sur le corps, Nathalie ? Alors, ces effets sont multiples. Donc, tout d'abord, ça permet de relancer la circulation lymphatique. Donc, du coup, ça permet de désengorger les tissus. Ça permet aussi de dynamiser le système immunitaire. Ça donne une meilleure cicatrisation des plaies. Ça permet aussi d'éliminer les toxines. Et ça donne une sensation de légèreté à la fin du soin, ça vous relaxe, ça détend les muscles. Donc voilà. Donc toute une multitude de bienfaits sur le corps pour ce drainage lymphatique esthétique. Mais y a-t-il des contre-indications, Nathalie ? Bien sûr, il y a des contre-indications qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors toutes les personnes qui ont un cancer, qui ont des problèmes cardiaques, qui sont en hyperthyroïdie, en hypotension artérielle, ou les femmes lors de leur menstruation, ou les femmes qui sont enceintes, bien sûr, ne peuvent pas faire ce soin. Alors, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de commencer le matin, si vous avez les jambes lourdes, les jambes gonflées, par des douches suisses, alternées eau chaude et eau froide, en partant de la plante des pieds jusqu'en haut du corps. Et pour désengorger les tissus, bien sûr, boire de l'eau citronnée, en fait, toute la matinée. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Nathalie. Merci. Merci à vous. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'Auberge de la Vieille Tour de nous avoir accueillis dans ses locaux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Retrouvez-nous également sur www.lesecretsdubiennetre-book.com. À très bientôt. Just stay from the face, so